Ni chimique, ni manuel, le nouveau procédé de désherbage présenté il y a quelques jours par la Chambre régionale d'agriculture a attiré les foules. Au programme, le recours à l'électricité pour détruire les adventices. Ça suscite des espoirs, ça élève aussi quelques questions sur le coût du matériel, l'utilisation. Hein, ça lève beaucoup de questions sur l'intégration dans nos méthodes de travail aussi. Et puis sur les incidences sur la vie de la faune du sol, entre autres. Ce procédé, c'est donc un désherbage électrophysique imaginé par une entreprise suisse. Une véritable innovation. Oui, on est vraiment sur de l'innovation puisque cette machine-là présente aujourd'hui n'a été testée que fin 2018 par Arvalis dans l'est de la France. Il n'y a pas eu d'autres utilisations en France ni en Europe puisque Zasso est une entreprise suisse qui fabrique son matériel en Allemagne. Elle est aujourd'hui plutôt axée sur la culture de la pomme de terre, de la vigne, du maraîchage, pas trop encore en grande culture, mais ça va venir. Après un bug informatique, le test en lui-même a finalement été reporté d'une journée, mais le contretemps n'entache pas l'optimisme des potentiels utilisateurs. Je suis plutôt optimiste sur le fait qu'on ait un moyen supplémentaire et une corde de plus à notre arc. Un moyen de pouvoir sortir des problèmes sociétaux, des problèmes environnementaux qu'on a, et puis aussi un moyen de se dire qu'on fait quelque chose d'un petit peu plus, alors avec des grands guillemets, un petit peu plus propre. Le prélèvement des plantes réalisées sur place doit maintenant consolider les conditions d'utilisation de désherbage électrique. Les conclusions de cet essai seront connues courant juin.